Les rues du centre-ville sont encore quelque peu désertes. Des touristes ici ou là et très peu d'acheteurs potentiels. Comme on peut voir, c'est assez calme, quoi. Mais bon, ça permet de faire des choix et être tranquille. Vous pensez revenir cet après-midi ? Non, juste la matinée me suffira en fait. L'après-midi, faire d'autres activités. En fait, c'était pas vraiment pour faire les soldes, c'était juste pour faire un échange d'articles. Donc, en effet, j'en ai profité ce matin de bonne heure, mais voilà, c'est tout. Bah, moi, j'aime mieux le centre-ville que la Toison, en fait. Voilà, ouais. Personnellement. Pour quelle raison ? Je trouve qu'on a plus une relation de proximité. Seule une petite vingtaine de magasins a fait le pari d'ouvrir dès ce matin. L'objectif pour ces enseignes, contribuer à la redynamisation du commerce de centre-ville. Ça ne sera pas la plus grosse journée des soldes. C'était surtout mercredi et samedi. Et je pense que c'est pour essayer de dynamiser un peu le centre-ville. On fonctionne en même temps que les Galeries Lafayette. Donc on essaye de dynamiser au maximum le centre-ville et qu'il y ait un peu de monde le dimanche. Après cet échauffement matinal, les fashionistas vont pouvoir passer aux choses sérieuses. À partir de 14h, ce sont plus de 50 boutiques qui seront ouvertes au centre-ville. De quoi faire chauffer les cartes bleues.